22 décembre 2023, Bozulu Boka Kolanda Biso partout à travers le monde, Congomani yonso éparpillé. Mbote pe boye ibola muna manaka pona Congo, ya lelo e bandi, tikato ofongola yango, na mise au point oyo ya kosenga, bayonso, ba Congomani yonso bazali bisika, nyonso na mokili, basala keba, na mayo ezali kurba bongo na ba réseaux sociaux, na we tali ba résultat ya ba élection, o esale maki bongo le 20 décembre prochain, parce que seni alaki kobimisa bongo, ko proclamer. Résultat bureau de vote par bureau de vote déjà mokona lelo résultat ndambu ekobanda ko bimakino to koma le 30 décembre wana ezali maloba ya premier vice président ya ya seni o azala ki lobi na ba etando eke kotalisaka que seni a laki ko rassuré bongo vérité ya o ekobima kuna na ba urne kasi to sala keba na maye ezali kolobama na ba réseaux sociaux na we etali bongo ba résultat celle la seni azali habilité ya kopesa bongo nani alongaki mokolo ya le 20 décembre na lobi yango seni ya robana ko publier moko na lelo déjà ba résultat bureau de vote par bureau de vote rokine bongo partiellement kino kende mokolo ya proclamation ndenge et zali bongo prévu na calendrier électoral 5 SSC ba mission d'observation bazali ko noté ba irrégularité na o etali maponomi le 20 décembre entre autres bisika bongo ba kongomani bakende ko voté na ba centre o elongo banité na ba site militaire pe bongo na bongo kasi o bango bazali ko confirmer que mission d'observation ezali kokoba sur terrain po na kopesa bongo contrepoint na o ezali bongo ba résultat ya le 20 décembre ba candidat président de la République au Basirali Akina Moïse Katumbi de Kosset Kikuni Delice Sanga de Frank Zongo Matata Ponyo ba signa ki bongo mokanda moko lobi moleki ko sengaka na population a salangere na likambetali résultat pe azala bongo na ekenge pona ko batela bongo résultat ko bimala ba urne bango bazali ko talisa ke jusque là selon bango continue na bango azali favori na ngambo ya bango FCC bazali ko dénoncer ba élection chaotique pona bango nyonso misalemi ezali bongo o malamu soko mokete kasi ba candidat président de la République mosusu bango ba senga ki bongo ko bandela ma ponomi carrément pour selon bango et zali ma polomi et salim malamu te kasi seigneur zali ko confirmer que outa mokona lobby vote ezala ki clôturé na étendu ma République démocratique du Congo malgré baka o ezali bongo ya exception oyo ezali bongo cité wa pibisika bakite et komaki solo na retard makasi kasi bon ba signaler que nyonso na kati ya étendu ma République démocratique du Congo eleki malamu entre baye bazali ko bongisa ko contester topé ko bimisa vérité des urnes na baye bazali ko senga ba bandela maponomi na baye bazali ko ba ke nyonso esalemi malamu esko esengeli to avancer bino baye Congo bozola ndabiso a travers le monde bino bokanisi nini parce que élection ezali expression démocratique nini penza kozela lobby élection 2023 évaluation na ba invité na biso sur ces plateaux na moko na lelo comment préserver l'unité la cohésion et la paix to moni bili les ali kotambola bongo bisika bazali ko bundisa ba susu pour ba voter telle personne peut ba voter telle autre personne te ezali soko mala monter comment est-ce que to ko préserver kimi na tango oyo to bela Congo na tongo lelo na ndeko Damien Terranova zali a ndeko ya association Katumbiste, moi l'amboka, qui est déjà qu'on rejoindre sur ces plateaux, moi l'amboka, mbote pe boye bola. Mbote mingi, maman Naomi, mbote pe balande nyonso ya Congo Buzz, et si ka nyonso bozwami, na pesi bino mbote mingi, mingi, mingi pe merci, na nenge to bandaki na bino, makambo ya maponomyo yo, ti lelo tozo koma, to komi na suka nango, et puis tozo tala, tozo zela, seni a pesa molongi ya ma
pour nos miango. S'il faut faire un bilan, s'il faut évaluer, ni ne pense que le Koloba n'a pas scrit en général le salement qui va le 20 décembre. Bon, en général, ma ponomiliki n'a pas Koloba que c'est les pires des élections que nous avons connues dans ces pays. Maman Oyebi que na mboko yo na 2006 ba tu ebelé ba traita ki ndeko Kabila de tout le nom. Mais les élections et les kagimalam. Toke na 2011. Je me rappelle même na 2011 pe na 2006 avant jour ya vote selon les prescrits ya loi électorale. Batou nyonso bazali ko s'identifier na ba bureau na bango. Même en 2018 c'était la même chose. Mais mbalo yo mama Naomi tong to komi kuna et loko ezala kite. C'est-à-dire il y a eu carence à tout, c'est-à-dire logistique qui a séni na administration na kata ba bureau de vote ezala ki mbutu mbutu. Vraiment c'est une honte. Pour la République démocratique du Congo. Soit Isaac Mba Aliboso, ça aurait été, ça n'allait pas faire débat. On allait parler le quoi, le Congo, le Balingaka. Oh non, la jeune démocratie. Oh non, c'est la première fois, ainsi de suite. Mais vous avez eu quelqu'un, donc on a qualifié de non congolais dans ces pays, mais qui a organisé des élections comme il fallait. Et je vous dis, nous avons été dans des centres, on a voté avec peine. Beaucoup, beaucoup de peine. Vraiment, maman, et là, comme ça, c'est vraiment chaotique. Selon vous, nani a zale ko porter responsabilité à Maïmaleki, ce qu'ils ont ma bé solo, selon Ndongo Solo Belango, est-ce qu'ils ont saigné, est-ce qu'ils ont responsabilité à gouvernement, est-ce que Maïnion se salemi, ils ont logistique, ils ont posé ce problème, vu que toi, Nambo Kamone, n'est local au continent, République démocratique du Congo. Justement, merci beaucoup pour la question, Anna. Na zongi na vidéo moko ya ndeko Malumalu. La be Malumalu a lobaka bouye. Organiser les élections, c'est comme organiser une armée. Il faut qu'il y ait la logistique. Il faut qu'il y ait l'administration. Il faut qu'il y ait les déploiements. Donc, il y a un biloko oyodaki et entouraka organisation élection dans un pays. Et oyambalo yotomoni et pas un abiso mama. Rien n'a été pris au sérieux. Et cela démontre que nos amis en face ne prévoyaient pas organiser ces élections. Bah qui organise bah élection yoté. Yango bah qui consacre na souka, hein, au babingi na français à la va vite. C'est-à-dire tokeka kandenge wana. Désordre moko impossible. C'est-à-dire à tous les niveaux, que ce soit le niveau logistique, le niveau administratif, tous les niveaux il y a eu des désordres na ndenge moko kusakanate. Et d'ailleurs, je me demande, oh, Nganazo Sambela Boutoumoi, je crois qu'il y aura des contestations. Contestations? Oui, je pense qu'il y aura des contestations dans les jours à venir. Très bien. Et cela, ça me fait mal, moi, en tant que Congolais, moi qui aime mon pays, moi qui aime ma nation, moi qui aime toutes les organisations étatiques de mon pays, de voir que Mbaloyo n'a pas besoin de pongite. Parce que je me dis que ça va être, ça risque d'être un chaos. Non, non, faut pas sauter le chaos. On le souhaite pas, mais c'est ce que M. Kadima nous a mis sur le plat. On n'en peut rien. Il faut le dire. Ensemble pour la République, on a dit Sanga et Bayon, on va soutenir Moïse Katumbi, Bazali déjà qu'on revendiquait victoire, alors que élection dans nos bapés si bongo ba résultaté sur base de quoi ben nous avons accueilli bien nos candidats azali bongo favori sur terrain. Bon, na kumisi nzambe parce que peuple congolais a comprendre qu'il faut atia na koloba limite hein, entre la pauvreté, entre la sécheresse, entre les tribalismes, les népotismes na espérer à une nouvelle vie. Omoni mama, ce qui bandeko ba oyo tozana bango isanga toza ko soutenir Moïse Katumbi. Ba sali déclaration ana c'est parce que Moïse Katumbi yemo ko apesa ki biso ndingisa. Yambote ma pronomie banda. Alobaka na biso bobi mana ba centreté. Tino bako afficher. Et c'est sur base
Il y a affichage na ba centre oyo muke si est voté oyo votaki yangonde ba tout ba tout monique ndeko Moïse Katumbi sur toute l'étendue de la République. On peut le dire, c'est sur base des éléments. Ils ont dit que ce n'est pas du rien en fait. Ça vient des éléments récoltés dans le centre électoral que Ezako Pé sa favori na Ndeko Moïse Katumbi Tshiapwe na Mapuna Mioyo il y a 2023. Est-ce que vous avez déjà préparé contestation quelque part pour vous dire que vous avez un rythme et la vérité des urnes alors que Sénina a publié et que vous avez un élément. Un élément bon alors que vous avez un centre et ça tellement ébélé, vous avez un en possession. Un élément combien pour beaucoup de niveau à Koloba que vous avez un hôtel na tendance à Kopona. Au moment où vous avez un speech, au lobby et l'autre, moi, malonga, au lobby, Seni et lobby, et qu'on procédait bureau par bureau. Bureau na proclamation. Bisso peut te procéder à qui n'est pas là. T'as bandit bureau par bureau, il y a n'est pas quoi affiché, t'as toujours un élément. Et nous avons eu des éléments, et ces éléments nous donnent la. Nous sommes favoris. Voilà. Très bien. T'as un an de coach, Charline Tossi, sur ce plateau, Azali, mon co analyste proche. Il y a pouvoir, oui, qu'on rejoigne Rabusso déjà. Nous parlons élection 2023 de Koto. Si vous pouvez nous rejoindre sur ces plateaux, élection 2023, évaluation, on nous dit que le pouvoir en place, n'a Seni, va organiser une élection chaotique pour notre Tumbamboka. Est-ce que, s'il faut faire un bilan selon vous, est-ce que les élections, elles sont quand même crédibles? Est-ce qu'il y a mal à mon point dans le cannabis? Merci, maman journaliste, la pression en beauté, la pécipe de Gonabiso, tous les années, la plateau en beauté, la pécipe de Vance, la Congolais en beauté. Je crois qu'il faut tout bander par Koyeba, Tina, il y a élection dans Katia Mboka. Biso, tous les années, la société, mon côté, Bengamo, société démocratique. Source, il y a l'ibosso, il y a dévolution au pouvoir, ils allaient à l'élection. Kozong n'est pas un peuple. Pour le peuple, pour le peuple, pour le peuple, pour le peuple, pour la constitution a besoin de prévoir chaque 5 ans, tous les ans, élection pour changer les députés, pour changer le conseil. Mais en ce qui concerne l'élection, que le pouvoir et organiser l'élection, c'est une erreur d'appréciation. Parce que dans le domaine de l'élection, tous les ans, trois modèles et organisation de l'élection. Modèle à l'Ibosso, c'est un modèle, modèle gouvernemental. Ce qui gouvernement, c'est qui organise l'élection. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Napoto pour la plupart. Modèle, c'est un modèle, modèle de type indépendant. De type indépendant, c'est un batteur en présence, basali na confiance était les uns envers les autres. Alors, bah, délégué batou, basali. Une commission, le collègue Kanabiso, une structure qui organise les élections. De mon le collabiso tout ça na Seni, c'est une commission qui réunit bah délégués à bah différentes parties prenantes de à vous allez organiser l'élection. Et puis troisième modèle les alli modèle autobengaka. Modèle du type mix oyo bah allez ko sangisa moanda moza côté gouvernement moanda mo pe bah expert. Alors dire que le pouvoir en place a organisé les élections chaotiques avec la Seni, c'est une fuite en avant. Bisonio Souzalina Katia Seni, on a chaque structure, chaque partie prenante à les représenter. Pourquoi l'échec ne peut incomber qu'à la majorité au pouvoir? Donc, ce sont des subterfuges. Mais en ce qui concerne les élections, il est vrai que la Seni a éprouvé beaucoup de difficultés. Le loyo, batou, yo, bazaline, na domaine, batébele, bazaline, qu'on critique Seni, c'est normal. Mais il faut tout reconnaître en gros. Alors, quand on a micro, on a dit. La commission électorale, tout ça, dans le loyer, va vendre 100 000 places avec 28 mois de retard, maman Naomi. 28 mois de retard, c'est-à-dire en termes de planification, pour la moto, c'est la planification management. Normalement, on ne devait pas tenir les élections, la date est le 20 décembre. Mais comme, Naoti Kolobawa, l'organisation de l'élection, c'est un impératif constitutionnel. Nous avons un délai constitutionnel. Mais il y a un cas opposant à l'Azolbani. La CENI est organisée pour l'élection dans les délais constitutionnels.
Mais baza ko poser ba exigence oyo et ko ki ko permettre na sene travailler. Ça veut dire que vous voulez une chose et le contraire. Vous ne voulez pas de l'églissement, vous voulez les élections à délai constitutionnel, mais la CENI a fait avec les moyens qu'elle avait. Ce pays-ci est immense. Avec tout le problème que nous avons en logistique dans Mbokao, la CENI a éprouvé effectivement d'énormes difficultés qui n'ont pas permis que ba quitte comme on a ba place mon source. Mais au moins, le peuple congolais a sauvé le processus. La population Bomuna qui même na Kinshasa, il y a des bureaux de vote qui sont restés ouverts jusqu'après 22h, 23h, Batbazo voter. Et quand on a dit le lendemain, les gens sont allés massivement. Pourquoi? Parce que la population congolaise avait marre avec ces gens qui distillent des discours de haine, qui soutiennent. Maman Naomi, il y a des gens na Estambo Kanabiso qui ne peuvent pas vivre paisiblement comme mon frère et moi ici. On apprend que Bitumbe Bezongi sous son attente. Mais justement, mais nous avons des candidats basés dans quatre il y a bah élection pour l'année bah discours là bas qui soutiennent ces gens-là, qui sont avec ces gens-là. Ah bon? Et le mais ma papi surtout Bezongi les campagnes des mais tout l'année discours à moko na moko. La population congolaise a compris tout ça sous banami qui était dans les aïkala. On dit aux Congolais faites ceci bah l'année aveuglement. Non, les gens ont compris qu'il y a des gens qui filent la mèche avec des gens qui sont en train de donner la mort gratuitement. Maman Naomi, ce village-là dont vous parlez, qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils se réveillent le matin, quand vous leur posez des questions, moi j'étais à Kenge, moi qui vous parle ici. Vous posez une question. Vous voulez, vous faites la guerre pour quoi? Les plus aptes vous disent to hibite. Il y a ceux qui peuvent encore vous dire non, vieux Moko, Ayaki, Ayebis, plutôt saboter le régime. Est-ce que si tu ne veux pas de Félix Tshisekedi, c'est ton choix, c'est ton problème. Mais tu dois prendre une arme à feu. Tu rentres dans un village, au Bomi, une jeune femme, au Bomi, papa Moko, Azalaki, Nabananae, au Panzi Bilanga, au Panzi Banyama, les élevages. C'est ça le sabotage. Mais vous allez tuer Félix Tshisekedi à Kinshasa. Ce sont nos propres populations qui tombent et qui meurent. Les Congolais ont compris que tous les gens qui filent la même mèche que ces gens-là, qui sont soutenus par les structures au baso soutenir le groupe Wana, ils ne pouvaient pas se passer d'eux. C'est pourquoi Binomoko Bomoni. Je vous ai trouvé en train de parler, il y a ma tendance. Mais Binomoko Boyebi, Bozomon a ma tendance. Vous voyez comment le peuple congolais a dit non à ces discours séparatistes, à ces discours démagogiques d'une certaine opposition. Mais malgré tout, la CENCO et les CC, émission d'observation, ils ont noté l'irrégularité. Moi, Ming, je n'ai pas nommé Salemi, Bande Komzous, il faut tout bander la élection parce que Salemi n'a pas condition et sincérité. J'ai lu le rapport et la mission d'observation, le rapport préliminaire et la mission d'observation à CENCO. J'ai lu beaucoup, j'ai noté beaucoup de choses. Il note qu'il y a plus de 70%. Les bureaux de vote ont fonctionné le premier jour. Ils notent une détermination de la population congolaise. Ils notent aussi que dans, je crois, 3-4%, il y a dysfonctionnement de la machine qui s'éteignait, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous regardez les proportions, il y a irrégularité, ça ne peut pas entacher la crédibilité parce qu'on est au-delà des 70%. Vous comprenez? Ce sont des recommandations qu'ils feront. Mais maman Naomi, l'élection dans ce pays nous a coûté près d'1 milliard de dollars. Et vous allez dire, nous allons recommencer les élections. Vous allez recommencer comment? Avec quel argent? Avec quel argent? Non. Je crois que la CENI a pris la sage idée de pouvoir faire voter le lendemain. En 2011, Sungo et Mulunda, on avait fait ça. Au Katanga, les PV sont arrivés en retard. Ils ont voté le lendemain. Les Alibandes à mon bel côté. Et ça, les gens interprètent très mal. La loi électorale dit que l'heure, il y a ouverture, il y a fermeture, est fixée par la Commission électorale nationale indépendante. N'est-ce pas? Mais aussi, s'il y a une prorogation, il n'y a que la Commission électorale indépendante qui peut décider. Et la Commission électorale, la plénière s'est réunie, a constaté que les gens ont voté à quitter. Ils vont permettre de voter le lendemain. Ce que nous voulons ou nous dénonçons ici, ce sont des cas d'insécurité qui ont fait que Batmoussou Bassali, éruption de voyous ont perturbé le déroulement des votes. Ça, ce n'est pas bon. Mais au moins, la détermination du peuple congolais
a exprimé son adhésion au programme de paix et de développement présenté par le candidat Félix Tshisekedi, c'est passé de tout commentaire. Vous comprenez? Aujourd'hui, par le Kanagishasawa, ils avaient demandé, je veux bien, la Senko voulait, nous allons faire la PVT. Yamoto Sengi Senko, asa la PVT. Très bien, merci beaucoup. Tozozong également Lambokandeko Damien Terranova. Nous avons suivi Moïse Katumbi au lendemain il y a Ponomi. Lors il y a interview mon quoi l'obiso qui y était moto à Ponomi au sein de la population et appliquer Bongo article 64 de la Constitution. Est-ce que c'est impossible que Moïse Katumbi à Ponamaté alors que ça ma Ponomi ou ça démocratique ça peut être d'un camp comme de l'autre. Est-ce que l'autre confirmé Maloba ya Jean-Pierre Bemba Maloba qui est besoin de logique ya kuluka kuyiba ba élection. Donc à tout prix, il y a des fois pour ma président. D'abord, je tiens à rectifier madame, monsieur Moïse Katumbi n'a pas dit que ce qui était ba poni à ponami que à quoi appliquer article 64. Non non, il n'a pas dit ça. Ndeko Moïse Katumbi a lobi boy. Na expliquer ngona mulai. Tozui déjà ba résultat bureau par bureau. Et la qui cité, ngai moutou na gagné. Nazo gagné en fait, parce que la marche continuait. Et il demande à la population, ce qui va proclamer, nenge to mona na mboko yo, déjà c'est salama. Maman, non, mi na gotcha moi parenthèse mouke. Oui, mi toza na chance na mboko yo, parce que, comme je le dis à l'entrée de jeu, Tozana maponomi ali bosote. Ezali maponomi ya mbalamine. C'est-à-dire, ce qui mouana botami a komi na mboula mine, okui kotinde mai. Vous comprenez? Okui kotinde habite, kamata mbongo yo pesa ta tontonana, atinde la nga unité. Et des enfants très doués, très intelligents, akose lope calcul. Donc, nous sommes à la quatrième édition électorale, na mboko yo. Donc, il y a des choses qui ne devaient pas se faire ou qui ne doivent pas se faire. Babylon, Kolokol, à martyrisme. Comme si nous venons de commencer. Non, non. Nalandindeko. Sur le plan logistique, nous devons le critiquer. Nalobaming, quand je passe à votre plateau, Nalobaming, que nous devons, nous les intellectuels, parce que moi j'en suis un, nous devons tenir des débats tendant à orienter positivement notre génération, afin que demain, les aléas ou bien les erreurs d'aujourd'hui ne se répètent pas demain. Et ce que la CENI vient de faire, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Dans la mine des coups, ils ont commencé avec un grand retard. Je vais revenir sur Moïse Katumbi. Oui, oui. Je vais revenir. Mais ils ont commencé avec retard et tout ça, tout ça. Je veux bien. Mais ces élections ont plus d'argent que les trois autres en arrière. Plus d'un milliard de dollars. Plus d'un milliard, 150 millions, madame. Il faut bien être précis. Parce que, tant que du Masalaka, speech naye, à Sengakaba, c'est les 300 millions. Et puis après, il y a sous Salobi, non, 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 300 millions, tant que nané koué mouke, bopé sangaï, 450. Ce qui veut dire, nous sommes allés de 700. Aujourd'hui, le quoi tout m'a pronommé Salami. Donc, nous sommes convaincus que M. Kadima a reçu l'argent dont il avait besoin, les 450 millions de dollars qui s'est ajouté sur les 700. Donc, ça fait 1 milliard 150 millions du trésor public où M. Kadima a joué. Alors, je rentre sur la logistique. D'ailleurs, je veux dire ceci. Bah, Congolais, tout s'est préparé pour ce photo 5 ans de Kadima. Assez la biso rapport, Yambongwana. Parce que, madame, nous avons des informations de gens qui nous disent qu'il y a eu plus de 70% des anciennes machines laissées par Nanga qui ont été fonctionnelles et qu'on a déployées. Alors, et l'okoni n'indeko kadima, asalina miyarwana. N'dekwa lobi, retard, je veux bien. Mais il a demandé des moyens pour pallier à ces retards-là. Et le moyen lui a été donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il pouvait aller à pied, avec les moyens qu'il nous a exigés, il pouvait aller en avion ou bien à moto. Ce qui fait que nous avons vu des gens, maman, madame, venir
naba centre de vote dans un taxi. Taxi à jaune et mimi machine. Nous avons vu des gens se déplacer des kilomètres avec des machines sous la tête. Et qu'est-ce que M. Kadima a fait de cet argent, de notre argent? Dans le bango toujours, tout le monde a été dans le pouvoir, papa n'a été la caisse, il y a un bongo, il y a des pansaka. Non, non, c'est notre argent, nous les contribuables congolais. Donc il nous doit des explications par rapport à cela. Alors je rentre sur M. Katumbi. Il a dit que ce qui va proclamer résultat, il faut tout le matin réclamer en gros. C'est les droits congolais, c'est la constitution congolaise qui dit dans à l'article 64 alinéa 1, toute personne ou organisation ou un groupe de gens qui veulent nous prendre en otage, il faut ôter les mains. Est-ce que y a une manipulation et la population T parce que Mobeko lobi seni kakande et sengela pe sabiso. Kasite yango lobi te, yango ya lobi, tozo zela seni a pe sabiso. Maman Naomi na mboko eto mona que il y avait un candidat à Zwaka plus de 60%. Ba proclama mutu mususu. Parce qu'il y a eu un monsieur qui s'est mis au-dessus de la loi, qui a voulu se sécuriser. A pona mutu selon yé. A pesa biso. Ba noma payé. Kou constitutionnel payé et certifié yé. C'est de ça que nous ne voulons plus avoir. Nalobango toujours. Les élections de 2006 n'a pas. Et ce que nous avons vécu, ce n'était pas l'expression du peuple. Je pense même Ndekoko contre Dingate. Il y a 2011, et ça qui est expression à peuple était. Il y a 2018, et ça qui est expression à peuple était. Alors Ndeko Moïse Katumbi à Betimbela. Abi Mbaloyo. Moutaoui Babiso Azate. Donc le quoi sont toqué bureau par bureau. Les mêmes résultats que Fleni a proclamé, il faut les aller concordant na Oyo Tozwaki na bureau de vote. Pour empêcher ce que les trois penalties qu'on a connues dans ces pays ne se répètent plus. Et le peuple là où il est, il doit sévèrement se prendre en charge. Ce que Zan Ndekoti le Momtoazui, que ce soit lui qui soit proclamé, bien sûr, on a problème. Mais que ce qu'on dira ou ce qu'on proclamera soit vérifiable. Ndeko Moïse Alobi, tant que tu es observateur, tu es témoin, et tu es un peu de et tu es un peu de temps, tu es batuboni ba longi na biro songolo ba observateur na ba témoin ba ngolo sa sa nini ba zwa ka note ah eza candidat 355 ne abimi premier na je prends un exemple na Lukunga. Ça sera connu, c'est des mathématiques, c'est la science exacte. C'est 1 plus 1 égale 2. Et quoi yé bana maman. Donc, ce qui n'est comme Moïse Katumbi, le quoi, tu as déjà là-bas impression. Ce qui n'est comme Moïse Katumbi. Et résumé, ça a impression. Non, mais je vous dis, nous avons non seulement les impressions, mais nous avons aussi les rapports. Des bureaux par bureau, on a eu ça qui va. Donc, bureau par bureau. Tant que Sili Nasuka. Madame, vous avez dit que. Oyo Batia, Nakati, il y a règlement. Les 10 jours, les 10 jours là qui a été donné, et à cause de mauvaise foi. Parce que nous avons la capacité de reconnaître le gagnant à la fin des élections. Comme ça s'est fait sur d'autres cieux. Très bien. Merci et beaucoup. Donc, M. Moïse Katumbi, à l'obaki teke, il faut offrir ça la forcing. À l'obinde, il faut oyonyoso et qu'on la exprimer. Dans na kati ba centre de vote, il y a Ngonde Seni et Bongi a proclamé. Très bien, merci beaucoup Ndeko Damien, Ndeko Moko Lobi, Arnaka Sumbalesa, Moïse Katumbi, Zwa qui a ta voix à mon côté. Donc, ba témoin et ba kossier. Ndeko Moïse Lobi, ba résultat, nous sommes affichés dans le bureau de vote, Tose la Seni, a confirmé. Merci beaucoup Ndeko Charlie, en Tose. Oui, Ndeko Ndeko Azor, ba likamba, ba résultat, ba ngonbaza, la bango, ya bango déjà. Mais tout l'année, tata mon kambi, kolo, lor, ya émission, mon roi, ça, qui n'a ba confrère, à Lobi. Nakoyo karandenge ndeko Jean-Pierre Bemba lobaki que bato moko bazali ko préparer tricherie soki ma promesse est malamouté donc donc dans le même sens lelo est-ce que la politique va se préparer chaos na mboka na biso comment préserver l'unité na tango tozokende
Maman Naomi, je crois que le loi article 64, si on peut l'activer, ce n'est pas avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a ni les moyens, ni la capacité à co-activer avec qui? Avec quelle population? La population congolaise kaka oyo bino moko bomoni na ba meeting na ba campagne. Et Moïse Katumbi va appeler qui pour faire l'article 64? Papa, maman, on peut jouer avec un peuple tout le temps, mais un jour, ce peuple peut se réveiller. Et dans le moment où on a ngonga oyo, le peuple congolais ne peut plus être baratiné dans le sens des poils. Nous, notre structure, nous avons mis en place un dispositif de 200 000 personnes. 150 000 témoins n'a pas superviseur. Vous comprenez ce que je vous dis, maman et maman? Nous avons déployé 56 000 smartphones sur l'ensemble du territoire national. Bissot. Mais nous ne pouvons pas prétendre que tout le monde a un résultat. Les résultats sont en train de nous remonter. Nous avons montré hier, la presse internationale était à notre quartier général. Moni, Dengue, va remonter. Il y a des résultats. Nous sommes en train de travailler de manière professionnelle. Mais pour revenir à ce qu'est Ndekwa Lobi, oui. Le budget de la CENI, oui. Il y a beaucoup de réponses à ma question. En matière de planification de l'opération, là où on pouvait acheter, par exemple, à 10 dollars, parce que le bien acheté met 3 mois de voyage par avion, par un bateau pour venir, quand on achète par avion, ça augmente les coûts. C'est normal. La planification est allée bon. Alors, je ne suis pas là pour justifier la CENI. Je ne suis pas agent de la CENI, je suis partie prenante le Colandeco. Mais parfois, il faut tous à la capée dans des circonstances atténuantes, dans l'exercice le Colaboué. Nous, heureusement, nous n'avons pas organisé les élections, ni en 2006, nous n'avons pas d'ailleurs participé en 2006, nous avons participé en 2011 et nous avons participé en 2018. Ce n'est pas mon parti, ni mon président qui avait organisé les élections de 2018, ni de 2011, moins encore les autres élections. S'il y a eu des erreurs, on a fait des recommandations. Ces élections ici, c'est vrai. Il y a beaucoup de difficultés que la CENI éprouve. Ça, tout le monde le constate et je l'admets comme lui. Mais heureusement aussi, Nakatia Malobane Nasuka, il a accordé cette dispense, c'est peut-être sans le savoir à la CENI, que œuvre Nyonso, il faut aller pour rendre compte. Et la loi oblige, n'est-ce pas, la commission électorale indépendante, à la fin du cycle, de présenter le rapport général devant l'Assemblée nationale. Le président de la CENI ne va pas se dérober à cette tâche, il le fera. Nous, notre souhait, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qui est dit dans la loi. Les réformes que nous avons pu opérer dans la loi électorale, entre autres, exigeaient pour la transparence des résultats, il faut que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. C'est ce que nous tous nous attendons. Nous avons une bonne partie des résultats que nous avons. Je vous dis, nous avons 200 000 personnes. Mais là où mon frère s'entremêle le pinceau, c'est quoi? Quand il dit les observateurs et les témoins, non. Les observateurs ne récoltent pas les résultats des élections, mon frère. Je ne l'ai pas dit. Non, parce que vous avez semblé dire ça. C'est ça la confusion qui est. Non, vous m'avez mal compris. Excusez-moi. J'ai parlé des témoins. Oui, c'est ce que nous avons connu comme difficulté en 2018. Vous avez une mission d'observation comme celle de la CENCO, comme celle de l'Église, comme plutôt de l'Union Européenne, de Centre Carter, qui vous dit j'ai des résultats. D'après les résultats que moi j'ai, voici les résultats sont là. Bon, nous pouvons accepter. Mais quand on va interroger la loi, on va leur poser la question, ces résultats, vous les avez eus par quelle voie? Ils disent non, par le voie citoyenne. Mais bon, est-ce que c'est prévu par la loi? On ne peut pas parler de la démocratie, on ne peut pas parler de l'état des droits si on ne respecte pas soi-même la loi. La loi dit ceci, il n'y a que le témoin qui ont droit à un procès verbal qui reprend le résultat des votes parce que le témoin est partisan. Le témoin vient, comme mon frère l'a dit, je crois qu'il était candidat, il a dû déployer un témoin où il est le monsieur Katumbi qui, dont il est le représentant ici, a sans doute déployé ses témoins. Mais ici, vous voyez une mission d'observation, fut-elle de l'Église catholique, qui vous dit, moi j'ai des résultats. Quand vous lui posez la question, vous avez eu, non, nous avions déployé, mais est-ce que ce que vous avez fait, c'est par la loi prévoit ça. Mais la CENCO, le CC a promis de... Mais la CENCO, c'est une mission d'observation, maman. Il faut vraiment que tous à la canabo, sembo à Koloba. Ceux qui te respectent, Mibeko, te respectent, Mibeko. Je suis tout à fait d'accord avec lui.
quand il dit qu'il peut y avoir eu tout ce qu'il a décrit là. Je suis d'accord avec lui. Mais tout le bas solo, Senko, la Senko vous dit, nous avons déployé 44 000, nous avons compilé, je prends le rapport, hein. Nous avons compilé 42%, il y a résultat aux yeux. Mais voici le résultat. Pas le 100%, 42%. Mais il donne le résultat. C'est dans le rapport de la Senko, allez lire, c'est dans les net. Je ne reviens pas sur ce débat de 2018, mais je veux tout simplement dire ceci. Le procès verbal, la loi dit qu'on les donne aux témoins. Si, comme lui dit là, leur structure de surveillance a récolté les procès verbaux et ils ont le résultat que lui dit, je peux faire foi à ces résultats. Mais un observateur, il vient, il regarde comment ça se déroule. Il fait rapport, il y a eu un incident à tel endroit, la machine n'a pas fonctionné, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais il n'y a que dans ce pays, pour des raisons bien inavouées, hein, ce sont des raisons inavouées, où vous voyez des missions d'observation qui vous disent non, pour nous, c'est elle qui avait gagné. Il n'y a que dans ce pays. Et les gens comme ça, comme nous sommes pris comme des moutons, des panurges, on accepte ça. Sans poser la question aux gens qui disent, ils ont, mais vous avez la grande question qu'il faut poser, vous, la loi ne vous permet pas d'avoir, oh non, nous avons recouru à des moyens parallèles. Je ne rentre pas vraiment dans ce débat, mais je veux revenir sur le résultat. Je veux dire, maman, nous avons 200 000 personnes qui sont en train de travailler nuit et jour sur le terrain. Bah, côté Moussou, bah, réseau, ça passe. Mais bah, vous, Zoé, la bise. Ceux qui sont aussi ici, émission, je peux même inviter mon frère aussi. Il peut venir avec nous. Nous, nous sommes des hommes de la paix. Il n'y a pas de... Moi, je déplore la violence. J'ai vu mon frère Peter Tchani publier une photo d'une dame qu'on est en train de molester. Je ne sais pas c'est dans quel coin du pays. Des images à bouiller, n'est toujours que la mot passe. Élection Zangonga est fête aux photos CPLA. Expression à démocratie. Ceux qui Moninga a gagné, Pesa et Mbote, félicité yé. Ceux qui Moninga a longi, félicité. Ceux qui paient aux UTE, bon maman, le président actuel à Zambie, il a perdu les élections combien de fois? Plusieurs fois. Akei a échoué, Akei a échoué. Il a fini par gagner. Donc on ne peut pas brûler le pays quand Janazoka. Que quelqu'un dit, si on ne me proclame pas moi, ça ce n'est plus une démocratie. Mais aujourd'hui, maman sur le terrain. Mais quand je veux ce que mon frère dit là, je ne sais pas s'il a les mêmes procès verbaux que ceux que nous avons. Je ne sais pas. Mais je veux aussi que les gens qui disent là, même en marge de la loi, bah, publier bah, procès verbaux. Maman Yosana Kishasa, Katumbi va gagner l'élection, à quoi gagner un miracle. Na modèle là-bas, résultat, Oyo. Yo moko monde d'abord na campagne. Katumbi n'a pas été au Grand Kassai. Il n'est pas arrivé au Grand Kassai. Il n'a pas fait presque le Grand. Il est allé seulement, il a fait un meeting à Kikwite, à Idiofa, il est revenu. Il n'a pas fait le Kwango. Il n'a pas fait le Maïndombe. Il est allé au Congo central. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il tient un meeting dans la rue et il dit non, on m'a empêché ici à Boma. Alors qu'à Boma, il n'y a qu'un seul star qui est dans un état d'abandon. Il voulait aller faire un meeting dedans. Même le président Tshisekedi, qu'eux ont accusé là, n'a pas fait le meeting dans ce stade-là. Le stade Sokol, pour tout celui qui m'écoute, qui est à Boma, il peut faire des photos et montrer ici. Ce stade-là ne peut pas recevoir une activité. C'est devant la mairie que se fait le meeting, ou se font les meetings. Mais eux, ils ont pour essayer de... Non, on nous a empêchés, nous avons fait dans la rue. Bon, tout ça, nous n'allons pas revenir. Les incidents de Mwanda, nous les déplorons même nous-mêmes aussi. Le président de la République a signé un communiqué en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, pour déplorer les incidents. Si vous ne voulez pas du discours de quelqu'un, ça ne sert à rien de l'attaquer physiquement. Nous sommes en démocratie. La première vertu en démocratie, c'est la tolérance. C'est l'écoute de l'autre. C'est la capacité d'admettre l'opinion contraire. Mais quand vous venez avec, vous dites, il n'y a que mon opinion qui doit s'imposer. Non. Ici, le peuple congolais a eu le choix entre partir de zéro, parce que nous avons fait quelque chose. Pas tout, nous n'avons pas tout fait. On a dit à notre population, vous voyez par exemple maman et moi ici, vous avez chanté ici, Ezaki Mouroua. Mais le lot, quand un monsieur passe ici devant maman et moi, mon amour, il ne va pas dire le discours, bah, tu sais que du bilan zéro à Koïb Sayo, non, ton moni na maman et moi, batime bimina mabele. On n'a pas réhabilité. Un étudiant qui allait à l'UPEN, un étudiant qui allait à l'UNIKI, nous ne sommes pas en campagne, excusez-moi, j'explique seulement pour que les gens comprennent. Mais Kinshasa n'est pas le Congo. Le Congo je suis d'accord avec vous, maman. Je viens de Mbujimayi. J'ai vu l'université de Mbujimayi dont on parle ici. Dans quelques mois ici, les gens vont fermer, vont clouer leur... À Bounia, l'université de Bounia, l'aéroport qui est construit à Bounia là, la population qui est là-bas voit
Vous comprenez, on peut faire dans les réseaux sociaux à Kinshasa ici. Mais notre peuple, qui est en train de bénéficier de la gratuité de l'enseignement, une dame que nous avons, nous sommes allés libérer ici à l'hôpital de ma soeur à Kingasani, qui a fait 8 mois à l'hôpital parce que à Kangama qui a gagné 250 000, moi on a commis à 8 mois. Et le lot, grâce au programme, il y a prise en charge de la femme enceinte et tout ça, elle est sortie de l'hôpital. Mais est-ce que ce qui, Félix Tshisekedi dit à perdre l'élection, aux allez après, et on dit Mayango. Mais on dit pourquoi? Félix Tshisekedi, à la différence des autres, Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Maman Naomi, je l'ai rappelé sur votre plateau. Félix Tshisekedi, malgré les injures dont il est victime, inutilement, parfois gratuitement, Félix Tshisekedi avait dit, pour lui, il y aura inclusivité des élections. Il a fait. Monsieur Moïse Katumbi, dont le représentant est en face de moi, a été banni dans ce pays. Je dis bien banni, j'utilise bien le terme. Excusez-moi, madame. Moïse Katumbi était banni, je parle devant la population congolaise. On l'a chassé du pays par le régime précédent. C'est Félix Tshisekedi qui lui a remis le passeport et qui a demandé qu'il revienne. Lui et tous ceux qui étaient avec lui. Il voulait rentrer au Katanga Park à Sumbalesa. Vous vous souvenez de cet épisode où on a mis des chars? Pourquoi empêcherait-on un Congolais? Le président dit pourquoi on doit empêcher un Congolais de revenir chez lui? Il arrive, il dépose sa candidature. On l'autorise, il va à la CENI. Non. On a mis tout. Tu sais qu'il a mis tout en place parce qu'il a peur de Katumbi pour l'empêcher de devenir candidat. Il va à la CENI. Son dossier passe comme une lettre à la poste. Bien que ses avocats ont raconté des histoires devant la cour de la CENI ici. Il va à la cour constitutionnelle. Oh non, tu sais qu'il a utilisé Tchani pour empêcher. Mais la cour regarde. Mais Tchani, tu es venu faire un recours. Mais il n'y a rien dedans. Où est la preuve? Et M. Katumbi a été candidat, a compéti comme tous les autres candidats. Mais madame, la population congolaise est fière de son histoire. Fière de son histoire. Et l'UDPS n'a pas fait le combat pendant plus de 37 ans pour que nous voyons les élections avec toute la bagarre et tout ce qui se passe dans la rue. Ça, ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti qui prend la paix, la tolérance, qui prend ce que je veux dire, les valeurs. Et ça, on est dans ce monde sur le terrain, notamment la force du progrès. La force du progrès, ce n'est pas une structure officielle de l'UDPS. Les gens ne comprennent pas. Maman, dans tous les partis politiques, il y a des mouvements qui sont associés à des partis politiques qui exercent. Le secrétaire général du parti, qui dirige le parti, M. Augustin Kabuya, l'a dit. Si vous trouvez un monsieur dans le coin, en train de commettre des désordres, il vous dit que je suis force du progrès, si la police l'a fait, arrêtez-le. Très bien. Merci beaucoup, Mwalamboka. Ezaki Kambakolo, Belali Kamba Kimia, Sima Maponomi, Poto, Messaina, Ezamo, habitude Yamabé, Messaina, depuis 2006, 2011, 2018, moi, Bamboutou, Mboutou, Yaka, Sima, Yaba, résultat, le Loto, Zolo, Bela Bongo, évaluation, élection 2023, mais comment gérer période post-électorale. Ndekumo Kalobi, Madame Naomi, tout s'est bien passé ici à Kolwezi. Oui, on a confirmé en haut, dans la Tongo. Il y a mon collègue mercredi, Kuna Eloko Mabeza, qui était battu par vote, qui normalement, contrairement, n'a pas quoi, mon sous Ndekumo Kalobi, Azala qui témoin, à on a Kinshasa, Moïse Katumbi, Azala qui n'a pas témoin, t'es à tout n'a qui, baby, si que Moïse Katumbi, Azala n'a pas témoin, t'es surtout à Kinshasa. Babi, baby, ça n'est quoi, Moïse Katumbi, ce qui y est payé à Kakemi, Andi, ma défaite, naïs à démocratie. Tous aussi, sa émission, la bande de Koubazan, sur ce plateau, Ndeko Damien, comment préserver la paix? Déjà, comment préserver la paix? Je pense que la meilleure façon de préserver la paix, Madame Naomi, Ezali, qu'on proclame les résultats des urnes, les résultats affichés. Na ko zongele lo komoko pona pesa clarification na makambo ne kwoti koloba. Le nde kwa lobi makambonga na loba kite na ko zongela yango. Na lobi boy nde ko Moïse Katumbi a sali speech na ye a lobi e bongi te seni a proclamé obele malo ba chiffre oyo ba affiché na bureau par bureau. Je pense que ce que j'ai dit, même Ndeko Félix Tshisekedi na lobaki yango pe, ye pe kolinga ba affiché bureau par bureau. Tout à fait. Et yango nde seni a pesa na bato. Nous sommes dans un exercice démocratique. Si
Ndeko Katumbi, Azui, le quoi toza déjà na zozonge lango lisusu. Toza déjà na ba naba résultat à bureau par bureau. On garde position. Oui, mais bien sûr, parce que c'est fondé. Ndeko Alobi ba 650 200 témoins. Non. 200 000 témoins. Oui, donc on a des biso toche, biso ensemble pour la République et alliés. To pesi 250 000 témoins sur toute l'étendue de la République, madame. Ndeko Alobi ba pesi 100 combien de smartphones ceux qui sont biso to pesi 250 000 smartphones. Na République Mobimba. Donc les résultats ezoya yekoutou ba tuna bango côté sur réseau ezaté mais oh y a biso ezoya ezoya depuis mukolo kuna et ça va na et ça va continuer. C'est où leur centrale là? C'est à Lubumbashi. J'ai les images, si vous voulez je peux vous les montrer. Et puis dans chaque zone électorale nous avons une centrale. C'est ainsi que notre allié l'excellence Matata Ponyo a déjà au niveau de Maniema. Il avait déjà proclamé. Enfin, il avait donné certains résultats. Donc, Ndeko, Bisonyo Sotozali, Ozage. Toi, bah, Sinzili, Bisonyo Sotozotalena, Tozotalana. Donc, Moutoko Samuninga Mbaloyo, Akozalate. Voilà ce que je voulais dire, chers téléspectateurs. Naloba qui te que Ndeko Moïse Katumbi a protesté, vaik, mais plutôt, Akobo y a Neba proclamé, bah, résultat. Et puis, j'ai appelé ça qui même image. Il y a makamunenge le cas où on ne connaît pas zana quoi contredire ngate pe ba te belé na kisasa a wapena Congo na étranger ba kuboya ngote on a communiqué na bango ba lobby bazo préparer communauté internationale la population ba télémela déjà pour ba passer la vérité des urnes. Justement c'est en fait moi je ne trouve pas l'animosité là-dessus. C'est des bonnes guerres de toutes les façons et à la biso et à la bango et à lokomoko bango ba ko sepela ba proclamer oyo bango bazui kaka nenga. Pourquoi avec précipitation? Non, ezali kaka ko informer. Tout ça ko informer. Ndeko Félix Tshisekedi comment s'appelle na Top Congo. Tant ba poser quelques questions wana. Oyo kaki réponse na ye? Oyo réponse na ye? Donc c'est quelqu'un qui s'attend aussi à ce que qui est quelque chose. Et puis na rejoindre la question moko le baki pona Ndeko Jean-Pierre Bemba. On ne peut pas faire foi à ces messieurs, malheureusement. On ne peut pas faire foi à monsieur Jean-Pierre Bemba parce que et à Moutou, à Outi Prison, à Ananzala, à Okuluka, Nini, à Kolia. Non, ministre, s'il vous plaît. Mais, écoutez, vous savez, il y a un problème. Alors, dit qu'il y a information et la CENI, la CENI a confirmé l'information. Le système n'a pas eu et ont loupé la piraterie. Il y a en tant que ministre de la Défense, membre du gouvernement, il y a vérifié, la loi leur donne le droit. Un hacker, c'est un voleur. Ce qui bango bazana information wana. Pe ba yebi mutango ba identifier ye. Il faut ba appréhender. Il faut ba kende ko ba zo mutu wana. Donc oh wana ezali le kutama. Le vundu. Et que faire l'information CENI à Pessi Bisso? Même la CENI, aujourd'hui, là, on est en train de voir ce qui se passe. Même Bango, bon, pour la Nini Bango, va porter plainte. C'est limité quand on a dénonciation. En tant que structure, il faut porter plainte. Tomoni va tout être. Même les Russes, maman, ils peuvent porter plainte à la Russie. Ils peuvent porter. Les États-Unis l'ont fait plusieurs fois. Oyotolanda qui a Bissonioso, ma ponomé Zakana Ukraine, avant-guerre. On a parlé des hackers russes. Mais les États-Unis ont fait quoi? A porté plainte contre la Russie. Et la Russie, à cette époque, s'est défendue. Même à l'époque, il y a élection, il y a Neko Trump. On a parlé des hackers. Les États-Unis ont porté plainte. Moko n'a pas plainte, toi, Neko Nani, comment s'appelle, Trump, va répondre. Donc, si la CENI, il y a solo, bah, attaque qui est. Il y a en tant que structure parce que. Je me répète, un hacker, c'est un voleur, il faut l'arrêter. Et s'ils ont, ils sont confiants que c'est la Russie, pour Batanga qui est Russie, pour lui, maman, la Russie peut nous porter plainte. Le président russe peut nous porter plainte. Parce que tout le monde, le quoi, brigand, le quoi, voyou, ils peuvent nous porter plainte. Donc,
c'était à nous de porter plainte. Alors, comme on ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème doit être un mensonge. Parce que ça n'a pas été fait. Pour quelle raison, ministre de la Défense, justement, pour... Mais papa, tant que nous avons besoin de mais nous avons pour contester quelque chose, on ne demande pas des milliers. Nous pouvons être 2, 3, 4. On conteste. Nous sommes des Congolais. C'est notre droit. Oui. Et puis, un pays des hommes libres, un pays des hommes intègres, doivent prendre notre considération. Oui. Et les traiter. Donc, et là, on a dit que M. Moïse Katumbi à côté de Misanani, à côté de Misabatu. Voilà. Voilà. On attend ça. Ton côté les mains, ceux qui n'ont pas beaucoup de bolingi comme ça, biso banditisme, biso ton côté les mains. Et d'ailleurs, je viens na nzela mokonayo makambotu kolobawa. Je voulais le dire à la fin. Le discours, il faudrait que la CENI prochainement revoie même les discours des candidats. D'ailleurs, je pense que ça doit être une disposition dans la loi électorale. Tala makambo yo bande ko babimisaki, oh candidat de l'étranger, oh candidat de boy, candidat boy. Regarde cette pauvre femme, maman, déshabillée. Et ce n'est pas la seule. Si vous allez sous la toile, yo tangis Peter Chan, mais baza et belé ba publier vidéo. Et puis même il y a une vieille maman, une vieille, je dis bien, qu'on a déshabillée. Bon, monte ezawapi. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui s'est levé dans ce pays en train d'instrumentaliser toute une province. Toute une province. Et tant que l'olobi, ou yébite sur les awapi. Non, monsieur, ça c'est une politique des polichinelles. Na miloko ba zoloba, mounoko ezoloba na vidéo wana, et yébani. Dans le 2, 3, 4 vidéos qui circulent sur la toile. Mounoko wana yébani. C'est dans une zone géographique donnée. Ozo yo kayango ne ba zo beta maman ba zo finga na mounoko wana. Si quelqu'un parle en swahili, vous allez situer ça par rapport à la langue ou par rapport au lieu. Moi, je parle tous les swahili. Je ne vous pose pas de questions. Non, je peux répondre. Oui. Je suis libre. Moi, je vais vous dire, tous les swahili du Congo ne se ressemblent pas. Il y a un swahili qui se parle au Kivu. Il y a un swahili qui se parle au Katanga. Il y a un swahili qui se parle à la province orientale. Donc, bah, soyez l'union soit là. Même au Maniema, le soyez de Maniema est différent de celui de Katanga. Vous avez un peu de temps. Vous avez une information dans le monde. Vous avez un peu de temps. Vous avez Lingala. Lingala, c'est ça. Ils sont différents de Lingala, il y a Yakoma. Lingala, Yakoma. Ils sont différents de Lingala, il y a Kisangani. Moi, j'ai eu la chance de sillonner partout là-bas et je peux vous traduire mot à mot. Ton par ton, parce que ce sont des tons qui se diffèrent, il y a bah soyez l'union sur un bah mangala l'union sur toi. Je peux le faire parce que j'ai été là-bas. Donc, na quatre vidéo, comme je le dis, c'est une zone linguistique où il y a ça, où ça, ma camouana. Très bien. Et si Kanini, bino bolekaki, bolobi, bilobela, yango et comme ça, ma bé. Madame, ma belle sœur qui est candidate députée, a failli être molestée à l'imiter ici. Et pas banani, batou na bango. Chef, soi-disant, biso, tozali, ba gardien. Y a Ndeko Félix Tshisekedi. Tout simplement, cette pauvre femme est arrivée, elle est députée, donc elle est députée à Mouamba, a kei pour a voter. Tant ou azo bimisaelo qu'on a sac na ye, ba moni, stylo, ne longa Moïse Katumbi. La dame qui était à l'intérieur, monsieur, Ndeko, a gangi, yo sa mouta Moïse Katumbi. C'est par grâce de Dieu, et en tout cas par la grâce, que cette dame, elle a été sauvée. On se comprend. Donc, il faudrait tout dénoncer en haut. Très bien. Merci beaucoup. Parce que le Congo, comme je l'ai toujours dit, Madame Naomi, nous sommes un
et indivisible. Merci beaucoup, Mwana Mboka. Matondo Mingi, Ndeko, Charlie, Tozo, Koma, Nasuka, Ya émission, Ya Moko, Nalelo, Ndeko, Azo, Akize, Binoko, manipuler opinion. De Tozo, Télémélan, depuis un certain temps, manipulation, Ya population, Na Tango, Edoyebi, Kebatobena, Banda, Kubaza, Kobanga, Nino, Selma, après, Ba, publication, Ba, résultat, et tant que Moko, Ya Moe, Az approche à pouvoir, qu'est-ce que pouvait rassurer la population congolaise? Qu'est-ce qui va se passer après la publication des résultats et comment préserver justement la paix dans le Mboka? Merci Mingi maman Naomi, je crois que Banamboka ba Zolanda ba Yebi le président de la République Aza le seul candidat Oyo a tamboli sur l'ensemble de 26 provinces a tamboli na ba ville Nyon sur ba chef lieu pe na ba ville Akati et il rencontrait les populations au sein de campagne interactive Kostulana Batu. À Katia Congo profond, parce que c'est d'abord un chef d'État en fonction. Et le président, partout, a prêché la paix. Il a demandé toute ça, la tolérance, discours, ce qu'on dit, mais discours à mon tour, qu'aucun meeting n'a été pour ça la désordre. Le lot, contrairement à ce qu'a dit le Zoroba, l'UDPS a perdu deux députés, deux candidats qui ont été tués. C'est l'UDPS qui paye le plus lourd tribut à Katia Bilokoy. On a assassiné notre candidat député à Uvira. On a assassiné notre candidat à Beni. Vous comprenez ça? Mais voilà, nous qui devrions être victimes, il y a une dame à Louboudi qui est candidate sur la liste des PES, qui a été obligée, filmée, à renoncer parce qu'elle ne peut pas battre campagne parce qu'elle est kassayenne. Et qu'est-ce qu'on va dire de tout ce qui s'est passé à Fungurume, à Kolwezi et tout ça? Qu'est-ce qu'on va dire de tout ça? Nous, c'est parce que nous ne venons pas nous plaindre tous les jours. Mais nous avons recueilli au Maniema, vous savez ce qui s'est passé? Au-delà, je déplore le monsieur qui a été tué le jour où M. Katumbi est arrivé au Maniema, à Kindu. Mais nous avons perdu, les gens ont été blessés inutilement. Mais nous, le président de la République a toujours... Nous, nous sommes membres de l'équipe de campagne du président de la République. Nous appelons toujours à la paix. Nous signons des communiqués que nous mettons dans la presse pour appeler à la paix. C'est à la demande du président de la République. Donc, le président de la République ne peut pas prêcher la haine, non. Le président, comme nous tous, nous savions que le M23 se bat pour contrôler ce pays. Or, il y a des candidats qui se sont montrés pendant la campagne ici, proches du M23 à travers leur discours. Lorsque vous venez, vous dites, moi si je prends le pouvoir, je vais négocier avec les M23. Et un tel discours, qui peut vous accepter au nord que vous, madame? Quelqu'un l'a dit? Je ne reviens plus sur la campagne, elle est passée. Vous pouvez revoir les différents candidats qui sont passés. En tout cas, ce n'est pas nous. Allez, moi je ne cite le nom de personne. Mais je vous dis, madame, quand vous tenez un tel discours au nord qui vous, ces gens qui sont depuis deux ans, depuis une année, qui ne dorment pas chez eux, à cause... d'une guerre injuste dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Bah, quoi qu'on dit, ma bine, ma place, c'est moi. Madame, lorsque les gens savent que le groupe qui finance certains candidats politiques ici sont derrière ce qui se passe au Nord Kivu et ailleurs, à Béni partout, ces gens sont idiots pour voter pour vous, pour vos beaux yeux. Madame, moi je regrette ce que notre ami dit, il doit retirer ça. Dire M. Jean-Pierre Bemba Zananzala. Non. Jean-Pierre Bemba n'est pas. Jean-Pierre Bemba l'air à Botami et pas à Bango, ne cherchait rien. C'est un bourgeois. C'est un fils à papa. Qui ne connaît pas Jeannot Bemba dans ce pays? Est-ce qu'un enfant de Jeannot Bemba a connu Kouyko Lanzala? Jean-Pierre Bemba a des domaines à Faro en Espagne, où il vit en Belgique. Et vous allez dire de lui qu'il y a Zananzala. Parce que les gens pensent que tout le monde doit vivre sur les mamelles de Katumbi. Non. Jean-Pierre Bemba, en tout cas, papa, il faut écarter cette hypothèse-là. Jean-Pierre Bemba, il a dit ce qu'il a pu dire, ce sont des histoires. Et puis d'abord, il faut aussi rectifier. Il n'y a rien entre l'État congolais et l'État russe. Quand on dit une organisation congolaise, ce n'est pas l'État congolais. C'est un privé ou un groupe, une société qui n'a rien à voir avec l'État russe. Pourquoi on va traduire l'État russe à justice? Parce qu'elle a fait quoi? Vous voyez la difficulté que les gens ont pour comprendre les choses. Jean-Pierre Bemba n'a pas dit le gouvernement russe a fait ceci. Auquel cas, ce serait un problème diplomatique.
Mais si c'est un monsieur russe qui a une structure, aujourd'hui il y a, par exemple, Wagner, c'est une organisation mise en place par des Russes, mais ce n'est pas l'État russe. Vous comprenez? Donc ces histoires, il faut tout changer en gros, approche. Jean-Pierre Bemba a dit, oui, la CENI, c'est normal, ça la capacité, les pirates, y a des sites, même à ta adresse sur Facebook, ça la capacité, c'est normal, la CENI a constaté un système, mais je peux rassurer les Congolais que l'affaire est protégée. Motoko Simba Kunate, Bako publié bulletin de vote par bureau de vote par bureau de vote. Et le lot, tout le monde a vu. Tu sais que dit, et largement, dans ma province Nyos. Kinshasa ici c'est le miroir. Le Congo central, même le Kwilu. Où chez nous, Nakatiaba programmation, Nabiso, c'était une zone, tout comme on a moins. Nous sommes largement en tête. Et bon, binomo bozo mon abat résultat. Kaka o bozo mon anéfis que Nakishasa. Naba ville place pour aller. Papa, maman. Le résultat autre que celui-là viendra d'où? C'est la fin de l'émission. Mon amour, Kamaton Domingi, pour préserver Kimia, tout Keba, na bongo manipulation politique, tout Zila Bongo Seni, Apesabiso Bar, résultat de ko Charlie Tosi, Maton Domingi, de ko Dania Terranova, Maton Domingi. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, tout à tolo, voter, na bilan wapi. Oh, bilan Zaïté. Congolais population Sakati Kambuto Koutani prochainement le lundi là bah invité mon sous mais toujours avec le même plaisir Kimia Botanabino et bon début de week-end Kimia 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 au revoir.